Bonjour à tous et à toutes. Je suis Arlus et bienvenue dans cette dernière partie de l'épisode 2 de Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. La dernière fois, dans la première partie du procès, nous avons essayé de démontrer qu'il n'y avait pas deux, mais trois personnes qui étaient présentes dans les locaux de KB Sécurité. À savoir Monsieur Buller, la victime ainsi que le défunt, le susnommé Henri Duplaisir, accusé de crime de Monsieur Buller, à tort évidemment, mais surtout une troisième personne, à savoir Matt Moissa, qui était en train de se faire, j'ai ma manette qui tombe, c'est trop bien, qui était en train de se faire inculpé innocemment, évidemment, pour tentative de vol aux Galeries de France, que nous avons bien sûr porté plainte en frappant la porte du pied du procès en disant « Ce mec est un connard, je porte plainte !» Et donc cette fois-ci, nous sommes partis pour la dernière partie, c'est incroyable le nombre de fois que je peux dire parti, pour prouver que Matt Moissa était bel et bien à KB Sécurité lorsque Monsieur Buller a été tué, et surtout qu'il a tué Monsieur Buller. D'ailleurs, Godot doit être à une dizaine de tasses de café pendant le procès, mais ça, c'est autre chose. Irresponsable, tu sais même pas de quoi je suis capable. Eh oui! Eh oui! Il est con. Mon cul, tu sais exactement ce qui se passe ici. Eh oui! Mais... Ah oui, il brille. Il y croit à mort, et ça c'est cool. Celui qui ignore tout ignore même qu'il devait avoir... Quoi ? Ah, c'est le moment sensuel. Ah non, même pas. Y'a pas de la musique sensuelle. Ah, pas de la musique sensuelle. Y'a celui des sous. Alors, en fait, pas vraiment, tu vois. Non, parce que... Tu as mentionné la photo, et ça c'est bien, mais... Regarde, si on regarde l'heure, il est 58. 58, c'est pas la même. Donc non. Non, c'est trop gros. C'est... Non. Tu sais quoi? On va faire un jeu. Si j'arrive à one-shotter ton témoignage, Godot me paye un café. Et t'en bois un aussi. Mais le tien, il sera froid et sans sucre. Ou pire, il sera réchauffé et refroidi après. T'as vu ça? Je suis un sadique. Alors tu vois, il lui ça, je m'en fous. Je vais quand même attaquer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Putain, il a eu... Wow, il est trop fort. Ça y est, c'est le level up.
Merde. Putain. Ok. C'est moi qui bois le café froid. Je réfléchis actuellement. Exactement. Mais je vais sans doute répondre une grosse connerie. À mon avis, c'est une grosse connerie. Et c'est une grosse connerie. Voilà, c'était une grosse connerie. Bon, tant pis. Si j'ai raison, c'est la boîte. Je vais pas y arriver.
Je vais essayer les traces de peinture. Allez, on ne se trompe pas. On essaye de bien viser. Et ce qui... Ah! Est-ce que ça change? Non, c'est de peinture. Ah bah en fait c'était ça, c'était la trace de peinture rose. Enfin, est-ce que c'était ça? Normalement c'est ça. Ah, voilà, je le savais. Nous devrions y voir ceci. Alors attends, genre... On devrait y voir ceci. Il a pas compris? Évidemment qu'il a pas compris. Putain, j'ai pris cher. Non, je l'avais. Je l'avais. Je l'avais, putain. Ah merde, c'est fini. Je la refais. Je la refais, cette fois c'est la bonne. Oui, allez, on recommence. Allez, on recommence plein de fois. Oui, on recommence. Voilà, allez, on recommence plein de fois. Alors, là, bleu bleu, qu'est-ce qui ne va pas? C'est par là, tu vois, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ici, blablabla, bla, bla, on dirait du sang, blablabla. Bla, bla. Oui, non, mais je me suis trompé, en fait, il faut une mémoire incroyable. Asblablabla, asblabla, 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 voilà, en fait, c'était ça. Voilà. Putain, mais il était là, mais oui, mais non... Oh, putain... Mais oui, mais merde, mais moi je m'en souviens plus. Respecte un petit peu à mi-face, s'il te plaît, ne traite pas d'harpy. Putain, t'es sérieux quand tu dis ça? Accidentellement? Ouais, pourquoi pas? Oui, je peux expliquer. Ah, qui a déplacé? Bah, mate-moi ça, évidemment, connard. Évidemment. Non, non, mais oh. Voilà, en plus. Ah, qu'est-ce que tu as à faire? Thank you.
Alors, normalement, là. Évidemment, tout le monde le sait. Eh oui! Il est malin ce petit Matt. Eh oui, eh oui! Est évident. Eh oui, ouh, magnifique breakdown dégueulasse où tu montes tes trous, où tu montes tes naseaux. C'est quoi ça? Ah oui. Ah. Et ouais. Et oui. Et oui. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il boit son café. Ma 11e tasse. Je me suis promis de ne pas en boire plus de 17 par procès. Il me semble que la dernière fois c'était 16. Ce qui veut dire que j'ai encore de la marge. Une hypothèse solide. Et alors, la vie est qu'une succession d'hypothèses plus solides les unes que les autres. Comme cette hypothèse que celle que vous aimez vous aime aussi alors que elle ne pense qu'à vous briser le cœur tout le temps jusqu'à ce moment fatidique où la vérité éclate et que tout s'en va. Donc, d'après vous, cette photo a été prise à l'avance et cette statue a été déplacée pour que tout corresponde. L'idée très intéressante, je vous l'avoue. Toutefois, une chose est indéniable. Ce n'est encore qu'une possibilité. Les hommes qui s'enchaînent à leurs suppositions ne réalisent jamais leurs rêves. C'est beau. Elles veulent délire le secret. M'en fous. Ouais. 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 Ouais, c'est ouais, mon cul. J'ai envie de dire mon cul en fait. Moi j'ai une question en fait. Quand tu dis
Je n'ai pu la tenir que le. Que le. Que, bah, que le jour du délit. Dans ta carte, il y a marqué urne mouchetée. Comment tu sais qu'elle est mouchetée, en fait, sans l'avoir vue? Hein, sac à merde. Objection! Ouais. Ouais, d'abord, bon, ça c'est premièrement, mais voilà. Après, ouais, mais personne ne pouvait le savoir. Ouais, par une main à droite. Scrogneugneux. Vraiment. T'es sérieux quand tu dis cette phrase? Scrogneugneux? Ça remonte à loin la dernière fois que j'ai entendu ce mot. Ça doit être le, je sais pas, 14e ou 13e, je ne sais pas. Très bien, 13e. Moi, j'ai envie de te dire pour l'argent, en fait. Là, ça doit être le 14e ou alors tu l'as pas fini, je ne sais pas. C'était l'argent. L'ancien. Ouh, ça parle mal. Ça parle tellement mal. Alors. Allez, on bouge son cul pour ce remix de ouf gueulin. Ça envoie du gros son. Très intéressant, dis donc. C'est Muller qui a écrit la lettre. C'est tragique. Moi, je pense qu'on vient d'apprendre un truc là. Bien, 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 bien. Nous en avons très bien. Mise à jour. Mais il y a quelque chose qui va pas. Non, non, non. Il y a un truc qui va pas. Je vais d'abord voir. Ce qui a changé. Allez, vite. Signé Bullard. Ok. Dans ce cas, lisons cette coupure de journaux.
Eh bien justement, parlons-en de cette lettre, tu vois. Comment tu le sais? Déjà premièrement, et puis ça me semble un peu gros. Voilà. Oui, bien. Ah, tu sais, moi je prends ça comme un compliment, Godot. Moi je suis une contradiction. Non, je suis une légende, tu vois. Très bien, ok, je concède. Ok, vas-y, je suis chaud. Bien, il y a quelque chose, vois-tu? Alors attends, je vais aller loin. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, ce truc m'a servi quasiment à rien. C'est pas ça. C'est toujours pas ça. On y est presque. Allez. Presque. Encore. Encore. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. C'est ça. En fait, c'était ça depuis le début. Take this. Regarde bien. Regarde bien. Oui, exactement. Et oui. Et oui. Waouh. Personne ne le savait. C'était bien sûr adressé à mademoiselle. C'est bien. C'est bien, vous êtes trop fort. Et oui, car la personne, elle se tait. Celui-ci! Est-ce que je pose mes couilles maintenant sur ton front ou tu dis que c'est toi le coupable? Le bijou que tu portes sur ta main! Blague enfant, oula, tu me parles mal? Tu me parles mal là? Ouais. Ouais. Vas-y. Y'a un problème? Y'a un problème, c'est ça. Vas-y, dis-le moi. Vas-y. Ouais. Effectivement, c'est vrai, certes. Où veux-tu en venir avec ton peut-être 14e café? Ouais. Masque de masque. Évidemment. Bah, masque de masque. Oh. C'était... de savoir que c'était masque de masque. Je sais pas, ça me semble évident, putain. Oups. Ok. Non. Ma faute. My bad. My bad. Ok. J'ai dit de la merde. Je me suis trompé. My bad. C'était. Je vous ai dit, je m'étais trompé. C'était maître chanteur. My bad. My bad. C'est bon. Objection.
Quand quoi t'objectionnes? Ouais, alors en fait, Kendler faisait chanter Mademoiselle qui faisait lui-même chanter Henri. T'as vu ça? Et ouais. Et oui! Ça y est? Tu breakdown? Non? Ok. Je sais pas si vous êtes con ou vous êtes con. Non mais je sais pas. Attends, attends, tu vas voir. Non, là. Je sais pas. Vous êtes con ou vous êtes con? Non mais je vous le demande. Comment je le sais? On dirait un petit peu la réplique de Jojo lorsque c'était Joseph dit ta prochaine phrase sera. Bah ouais. Certes, mais tu peux pas. Bah en fait non. C'est con mais pas trop con. Révélation de vous que non. Ouh, ça parle mal. Ça parle mal. Ça parle trop mal. Waouh. Qu'est-ce que tu prends ta gueule? Tu breakdown? Tu breakdown? Allez, vas-y, tu breakdown. Tu breakdown, s'il te plaît. Ah, j'ai pas envie de te faire la voix délicieuse. Mets des virgules dans tes phrases, mets des virgules. Oh, il est délicieux. Il est délicieux comme ça. Il est absolument divin. Mon Dieu, c'est la 16e tasse de café, ou la 15e, je ne sais plus. Le marteau qui frappe trop vite manque souvent sa cible. Permettez-moi d'ajouter une petite chose. C'est moi qui jugerai. Apparemment, vos griffes n'étaient pas suffisamment serrées, Monsieur Light. C'est vrai, connard. C'est... Putain, je vais te mettre des baffes. C'est vrai, vous avez prouvé pas mal de choses. Notamment que Mademoiselle n'était qu'un vil maître chanteur. Et qu'il ne se trouvait pas dans les locaux des galeries de la nuit du meurtre.
Toutefois, buvez du café. Il vous reste encore une chose à prouver. Il n'était pas à l'entrepôt, mais ça ne prouve pas qu'il était sur la scène du crime. Et si vous ne pouvez pas prouver que cette ordure était dans les locaux de Cabet, je ne vois pas comment un verdict pourrait être prononcé. Il faut la jouer stratégique. Je peux pas le prouver. Non mais je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut. Oui. Vous êtes tous déçus. Objection. Quoi objection? Quoi? Oh, je suis pas d'accord, hein. Commence. Vas-y. Ouais. Wow. Je suis pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Ce sera mort. Ce sera tard. Ce sera fini. Il n'y aura plus rien. 16e tasse de café. Ah, c'est pas con ça. J'apprends les choses. J'ai perdu un procès. En même temps, je peux pas le prouver. Voilà. Scénarium ? Pas de scénarium. Mais j'en ai tellement à faire, je veux écouter ce qu'il faisait ce jour-là, enfin cette nuit-là. T'as dépassé ton café. Scénarium ? Scénarium ! Oh mon Dieu, Maya a évolué. Je n'ai pas appuyé sur B. Ok, la musique m'a fait un gros caca nerveux. J'ai pas compris. La musique est en train de me faire de la merde, c'est super cool. Du coup on essaye les choses, on essaye les trucs, ne vous en faites pas, tout va bien. Tout va bien, j'essaye des choses. Calmez-vous, ne mettez pas votre PC à jour, ne mettez pas le lecteur à jour, tout va bien.
Je mets juste en pause 5 secondes le temps de boire un peu. Je suis en train de jouer ma vie. Je joue ma vie tellement fort. Tu m'étonnes que c'est ma dernière chance. Je suis un peu dans la merde. Ok, ça tu l'as avoué. Pourquoi? D'accord. Oui. Ah, tu viens de te faire piéger. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Tu viens de te faire avoir. Ah ça, t'étais à ça de réussir. Mais quel dommage. Oh, tu me déçois. Oh, t'inquiète. J'ai trouvé. Oh, t'inquiète, tu en es une. C'est ton 17e, c'est ton 18e café. Ah. Oh, t'en fais pas. J'ai trouvé. Ah. J'aime les défis. C'est trop loin, je vais aller plus loin. Je suis en train de mâcher le bouton juste pour aller de... juste pour chercher la bonne phrase. Ça c'était B par contre, c'est con. Oh oui, pourquoi s'il avait été déclenché, blablabla. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Excuse-moi. Attends, ferme ta gueule, toi. Ok, non, parce qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Bah ouais. Non, mais tu c'est tout con, si tu vas voir. Voilà. Tu le confies. Tu viens de perdre. Ah, tu dois plus boire du café. Ah. C'est bien. Exactement.
Et oui! Et oui! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et comment tu le savais? Toi, ta gueule! Mon cul. Mon cul sur la commode. C'était d'être là, sur la scène du crime. Ouais. Non, mystérieuse que personne ne reconnaît d'ailleurs. Ouais, toujours. Toujours une mystérieuse. La métaphore et l'attention, l'ombre se révèle, peut-être. Et oui, c'était Mademoiselle. Bien joué, les enfants. Vous avez trouvé le coupable. Et oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, dis-moi ce que tu vas faire. Et ouais. Tremblement de terre? Scénarium? Ah non, Super Saiyan. J'ai gagné? Non, je sais pas. Ah, tu vois, comme je te l'ai expliqué il y a quelques minutes. Voilà, on y arrive doucement. Ah, je crois que Maya s'est réveillée. Ah non, c'était l'autre con. Mais... Et on s'en fout. Attends. Je comprends plus. D'accord, ok. Bon, bah, le problème il est réglé. Hein. Donc, moi je vais boire une bière et puis on se retrouve là-bas. Ça y est, j'ai mon verdict. Je suis content. Joie et bonheur m'envahissent. Je vois des petits chatons. Non, t'as pas de la chance. On s'en fout. On s'en fout, Henri. Ne sait rien à passer. Ça faisait au moins peut-être plein de mois. Tu m'étonnes. Ah bon? Je prends les choses. Ok. Oui, je vais sur elle depuis 2 ans maintenant. Allez, salut. Appuie sur B pour la faire désévoluer. Ah, toi, faut qu'on parle parce que tu fais chier. Bah, ferme ta gueule. Ici.
Vraiment. J'ai appuyé sur B, ça a marché. Bah oui. Oui, c'était pour elle, évidemment. Ah ouais, tiens, c'est vrai. Alors les enfants, si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, sachez une chose, l'argent ne fait pas le bonheur. Si on vous estorque de l'argent, si une fille vous estorque de l'argent juste pour rester avec vous, quittez-la. Quittez-la, vous en foutez, quittez-la, votre thune est plus important. Je peux le prouver. Oui, je... ouais, les morceaux. Oui, oui, les morceaux, tu... Évidemment, les morceaux, hein. Les morceaux, clin d'œil, hein. Les morceaux, hein. Salut, ça va, tranquille? C'est la grande question. La réponse est... Je crois que ça veut dire long. Ah. Bon, d'accord. Bon, bah, le problème il est réglé. Merci de préciser la prochaine fois, ce serait cool. Ouais, il a prévenu de ses crimes. Ouais, il a prévenu, ouais. C'est pas lui en fait qui font... Merde. Non, c'est beau. Tu m'étonnes. Oui, je sais moi. Mais de rien. Mais oui, alors justement, pour la paye. Ah, parce qu'on en a pas trop parlé, tu vois. Est-ce que tu pourrais me passer la thune, s'il te plaît? Salut la naine. La joie m'envahit. Regardez, un vase sur un fond rose, ça peut être que génial. Ouais. Oh, quelle image magnifique. Mes yeux brûlent, il y a trop de rose. Et c'est la fin de l'épisode, c'est la fin de l'affaire. Et le troisième épisode sera recette de volte-face. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Donc on va sauvegarder la progression. Parce que c'est important de sauvegarder. Et découvrons ensemble cette magnifique image. Attention. Oh, il est délicieux ce Godot. Donc là on a Mia et là on a Godot. Oh, c'est délicieux. Alors juste derrière, on a... Alors, on a un magnifique Godot, oh, tellement délicieux. En haut à gauche, on a donc masque de masque. Le tribunal en haut à droite. En bas, à gauche, on a Maya et la naine. J'ai oublié comment elle s'appelle. Avec le... Alors, je ne sais pas. Alors, j'essaie de voir ce que c'est.
peut-être le vase. Et en bas à droite, je sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va s'arrêter cet épisode qui aura duré presque 1 heure et c'est beaucoup, hein. Mais je vous en remercie d'avoir suivi, jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, alors je vous redis toujours le même blabla habituel, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, à mettre en commentaire vos impressions, vos envies, ce que vous voulez. Les commentaires sont là pour ça. À partager les vidéos, vous n'êtes pas obligé, ça prend juste quelques secondes. Tu partages ça sur ce que tu veux, sur ton Twitter, ton Facebook, ton Skyrock, ton Instagram, ton Snapchat, ton je sais pas quoi. Si tu es nouveau, je t'invite à regarder les autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Et si ça te plaît, à t'abonner à ma chaîne. J'essaye d'avoir un contenu assez régulier et diversifié. Je pense que j'ai tout dit. Et aussi de me suivre sur Twitter, @Régulus1, mais tu fais ce que tu veux. Merci à vous. Bon jeu. Et à la prochaine.